Il y a votre manteau derrière. Et vous avez tout préparé avant? On a fait un menu déjà en fonction, un menu simple, jambon pâte, pour que ce soit plus pratique et qui plaît à tout le monde, quoi. Par contre, pour les Côtes d'Armor et le Morbihan, il y a une légère scénographie qui met le caractère du Morbihan, fait qu'on nous a une dotation légèrement aussi, puisque c'est plus un enseignant que nous pourrons dégager dans cette spécificité. On ne va pas la laisser ouverte parce que je crois bien qu'elle va nous péter dans les mains. Il est jaloux, Jean-Paul. On va où? Où c'est qu'on va, là? Vous savez pas où on va? On va dans le nouveau bâtiment. Dans le nouveau bâtiment. Hein? Et qu'est-ce qu'on va faire dans le nouveau bâtiment? Comment? J'ai pas entendu, Janine, dites plus fort. Allez-y. Voilà. Allez, double partie, affronter le froid et la pluie. Oh, c'est pas drôle tout ça. Oh ben, on voulait bien savoir comment c'est, hein. Pour après s'organiser dans notre tête. S'il n'y avait pas eu de pluie, ça aurait été mieux. Oh, la permanente, Angèle. Moi, surtout. Mais ta capuche. Ouais. Hein? C'est pour la peine, ça ne sert plus à rien. Oh là 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 là. Ça vous est, Jean-Paul. Oui. Chariot de médicaments qui arrive. Thank you.
Est-ce que vous voudriez être voisine? Est-ce que vous voudriez que être dans la chambre d'à côté? Oui, certainement. Hein? Certainement. Vous voulez celle-là, Mme Créant? D'accord. Et puis Mme Guimard à côté? C'est bien comme ça? Ah oui. D'accord. Ok. C'est propre. Bah, on va noter ça alors. On va noter ça. Moi là et vous là. C'est bien. Oui. Ouais. C'est les deux mêmes. C'est les deux mêmes champs. Alors en fait, c'est soit vous avez le petit jardin qui est bien, soit vous avez le champ. Ah oui. Ça sera le petit jardin. D'accord, là il n'est pas encore fait, mais comment, il y aura un kiosque, il y aura une petite fontaine et tout ça. Soit c'est de ce côté-là et vous voyez les autres. Ou soit c'est du côté où vous voyez le champ. Il n'y a que ces deux côtés-là, alors, ce que je comprends. Il n'y a pas besoin d'inscrire. C'est, si vous voulez être de ce côté-là, vous nous le dites. Ah oui. Vous voulez être du côté jardin, oui. Alors on va choisir ça. Et on va regarder. Il n'y a que ces deux côtés-là. Oui, il n'y a que les deux côtés. Ah oui. Pourquoi tu préférais où, toi? Ben, je pensais aller ailleurs pour voir comment c'était. Ah ben non, non, tu... Autrement, tu peux aller faire un autre tour, on peut aller voir un tour. C'est bien. Les voir. C'est la fille aussi. Là, vous voyez, regardez, vous voyez aussi du passage, vous voyez les gens arriver, si c'est ça que vous voulez. Et plus longtemps. Ouais. L'autre, oui, pas celle-ci. Non. Après, vous, il n'y en avait qu'une de réservée. Vous avez le choix pour toutes. On peut toutes les visiter si vous souhaitez. Là. Après, on peut regarder les autres par rapport à la vue. Il faut prendre le temps. Hein. On va arroser ça. Bon, pas trop dur. Hein. On va t'apporter une bouteille. Bah, j'espère qu'on fera partie. Hein. On en fera partie. Hein. Oh, bah, bien sûr. Oh, bah, oui. Ah, oui. La même vue aussi, c'est trop excellent. J'ai jamais rêvé d'une vieillesse comme ça, mais je croyais pas que... Ah. J'ai fait pas mal d'hôpitaux à Paris. Ouais. Que... Oui. Ici, c'est vraiment... Ah, c'est l'autre côté. C'est... Alors, Madame Conan? Ah, je sais pas. Et ça va sinon? C'est difficile. Ça vous plaît? Comme à la route, il n'y a pas le choix, quoi. Non, pas tellement, ça me plaît pas tellement, parce que c'est pas assez... Vous voulez regarder de retour? D'accord, on va vous montrer. Non, vous êtes à la deuxième. Oui. On a été voir tout à l'heure la première. Et vous disiez qu'on était un peu... Ah, on est à la troisième. On est à la troisième. Voilà. Vous voulez voir aussi? C'est la deuxième. Monsieur Denoël, quel numéro vous avez pris? Je crois que c'est 84. 84, et vous? 86. Eh bien, vous allez à tout près. 85. Ben voilà, 84, 85 et 86. Voilà. Madame, vous allez vous retrouver. Ouais. Pourquoi voulez-vous? Si on est bien, on voit, hein, les femmes, elles voient à vue d'œil si oui ou non ça va aller, hein. Alors donc, non, moi je ne m'inquiète pas. Il y en a qui s'inquiètent, oui. Il y en a qui pleurent. Mais en fait, ça c'est la nature de la personne, peut-être aussi. Alors, oh là non, moi je ne pleure pas. Parce que c'est d'un côté ou de l'autre, on prend une chambre et puis c'est bon. Moi je ne suis pas difficile. On verra bien, hein. On se plaît partout où ce qu'on est. Celui qui n'a pas mangé de vache enragée, il ne connaît rien. Oui. Vous une petite chansonnette? Chantez-vous? Bah, je vous suis. Je ne sais pas chanter. Le petit vin blanc qu'on voit sous les tonnelles, quand les filles sont belles, du côté de Ceylan. Et puis de temps en temps, les premiers romances chantent donner la cadence du côté dans les têtes de Ceylan. Bravo! Bravo Germaine! On ne s'est pas vu depuis une heure au moins. Bah, alors oui. On est perdu. Il faut qu'on s'habitue. Oui. Ah bien, j'étais habituée dans l'ancien, hein, dans le nouveau, il faudra s'habituer aussi. Pour l'instant, on se trouve perdu parce qu'on ne connaît pas. Ça
51, tu penses au pastis. Donc, au niveau du bâtiment, de la luminosité, du bruit, c'est vrai qu'on va quand même gagner tout ça. Après, voilà, il faudra du temps pour que tout le monde se repère dans les lieux. Pourquoi il ferme la porte ? Vous allez venir au nouveau logement ? Oui, c'est bon. Voilà, le numéro de logement. Tous les deux ? Ils ont choisi leur chambre tranquillement. Ouais, leurs voisins de chambre aussi. Bon, ils sont un peu perdus. Mais nous aussi, on est perdus. Tous les résidents étaient contents. Oui. Content de voir leur futur lieu, on va dire, future chambre, et le paysage aussi autour. Pas trop de stress ? Un petit peu pour certains. Ouais. Moi non, personnellement, ça va, à peu près. Je pense qu'on verra au déménagement, vraiment, ça sera peut-être différent. Quoi. Donc le 9 ? Le 9, voilà. Maintenant, il y a le déménagement. Ah oui, oh là là. Oh là 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 là. Bah, on attend. C'est Maryse qui m'a mis là. Mais non, tu rigoles. Et Maryse, oui, t'as pas changé de secteur ? Si. T'es où ? Sur l'unité 2. Oh, t'avais Damien. Oui. Les anciens locaux, on s'y était attachés aussi, même sentimentalement. Oui. On avait nos repères là-bas, nos habitudes. Donc, pour nous, et ben, ça va être surtout pour le résident que ça va être difficile, puisque certains sont là depuis très longtemps, donc ont vécu tout le temps dans les anciens locaux. Donc, pour eux, c'est pas forcément évident de déménager ici.
Non, alors vous avez un pass sur les locaux spécifiques, comment on en a pas choisi comme avant par exemple. Ah, donc ça vous concerne. Donc ça, je peux parler, ça ne concerne pas. Allez, on commence. Bah, tu pars. Tu pars ce qu'on ne te remet pas. T'as pas écouté, toi. D'accord. Alors, c'est une clé permettant d'ouvrir le mobilier des salons. Vous m'avez dit oui. Le badge nominatif, la clé permettant d'ouvrir les portes des salons de proximité. Non, c'est pas pour les agents de nuit. Et enfin, le cadenas et la clé permettant de fermer les vestiaires individuels. Non plus. D'accord. T'es que Marie. Oui, non, mais je pensais de la voir celui-là. La petite clé pour le mobilier. Le badge. Donc là, je barre. Hein. L'entrée du personnel. Je vais laisser avec toi. Et donc, le casier, on l'aura quand? Premier jour, quoi. Nous sommes le 26.